Bonjour, aujourd'hui je vous présente Kinou, qui est un beau garçon, un petit lapin mâle qui a 1 an et demi et qui est venu chez nous parce qu'il ne mangeait pas. Il s'était même arrêté de faire des crottes et donc effectivement quand un lapin ne mange pas, il y a de quoi s'inquiéter parce que c'est comme quand on fait du vélo, quand on s'arrête de pédaler on tombe et un lapin qui ne mange pas, quand il s'arrête de manger, il y a un problème. On a fait quelques examens, on l'a gardé en observation et on s'est vite rendu compte que Kinou n'était pas vraiment malade mais qu'il était amoureux. Et c'est vrai que certains lapins mâles, quand ils sont en rut, ils peuvent arrêter de manger tellement ils ne pensent qu'à ça. D'ailleurs, quand on le met dans sa cage, quand on l'a mis en observation, il cherche à sortir du parc et il fait la danse de l'amour auprès de toutes les infirmières qu'il peut trouver, un Kinou. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pas grand-chose, on peut laisser passer. Normalement, il recommence à manger au bout d'un moment, mais on ne peut pas se permettre non plus de les laisser sans trop manger pendant trop longtemps. Il n'y a pas vraiment d'injection qui les calme. Hein. Il y a des implants qui existent, mais chez les lapins, ça marche très très mal, ou très peu de temps. Donc en fait, sur les lapins qui sont vraiment travaillés par ça, la seule solution, c'est la castration. On ne le fait pas systématiquement. Certains lapins, s'ils sont calmes, il n'y a pas de raison. Mais si vraiment ça l'embête, et surtout s'il est frustré et malheureux, à ce moment-là, il faudra passer à la chirurgie. Un Kinou, on verra.